Hey, beauté, ça va? Madame, allez, on est tôt le matin, souriez un peu. Excusez-moi, jeune homme. Excusez-moi. Vous êtes à une minute de passer le restant de votre vie en prison, si vous me touchez encore. Bien. Si vous êtes celle qui sera mon compagnon de cellule, alors je resterai volontiers le reste de ma vie en prison, c'est clair. Hey. Écartez-vous de mon chemin. Ready, ready. Allez, je voulais juste vous taquiner. Ma reine. Allez. Comment est-ce que je dois... Oui, entrez. Monsieur? Oui? J'espère que tout va bien. Faudrait-il que tout aille mal avant que je... ne vienne visiter mon meilleur directeur de création? Tout va bien. Merci, monsieur, mais j'aurais pu me déplacer, monsieur. Oui. Mais j'aime venir à votre bureau. Donc, j'aimerais le faire plus souvent. Oh oui. Au fait, laissez-moi vous dire que nous avons finalement trouvé l'assistant que vous cherchez. Vraiment? Oui. Waouh, c'est super. Et cette personne peut commencer maintenant? Oh, il est déjà dans nos locaux. Oh, vraiment? Oui. C'est un il? Oh, oui. Ok, ça marche. Je suis d'accord. Et c'est un jeune homme vraiment intéressant. C'est quoi son nom déjà? Barry. Tu peux entrer. C'est lui. Je suppose que vous vous êtes déjà rencontrés. Oui, bonjour. Oh, mais dans ce cas, écoutez, il n'y a plus besoin de faire des présentations. Vous vous êtes sans doute rencontrés dans les locaux. Dans ce cas, je vais devoir vous laisser. Prenez place, mon cher. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ok. Merci à vous. À plus tard. Eh bien, je suppose que vous êtes mon patron. Ne pensez même pas à vous asseoir. Bien évidemment. Et je ne vais pas nier que je ne suis pas du tout enthousiaste à cette idée. Pourquoi? Pourquoi? Pour des raisons évidentes. La chose que vous devriez savoir, c'est qu'il y a certains paramètres que vous devriez respecter. Vous êtes sous mes ordres. Je ne vais pas nier que je ne peux pas vous virer. Par contre, il me suffit d'un seul mot à l'administration et ils n'hésiteront pas à m'écouter. C'est compris. Ce qui veut dire que vous travaillerez ici et me donnerez du respect en tant que votre boss. Vous ferez ce que je vous dirai et vous serez humble. Très bien, madame. Bien. Maintenant que tout est clair, mettez-vous au travail et faites-moi un rapport quand vous aurez fini. Madame. Madame. Je voulais juste vous faire savoir que je ferai un effort pour ne pas vous décevoir. Tant mieux. Dites-moi, où est l'expérience dont vous m'avez parlé? Parce que je ne la retrouve pas dans ce travail. Vous savez quoi? Je ne peux pas présenter du n'importe quoi au client. Refaites-moi ça. Autre chose? Écoutez, je me suis vraiment investi dans cette création et je pense que c'est vraiment très injuste que vous l'écartiez de cette manière. Monsieur Barry, je n'ai aucune idée de comment vous venez fonctionner. Mais ici, nous ne caressons pas les employés dans le sens du poil pour qu'ils fournissent des efforts. Effort rime avec sacrifice. Pour un résultat parfait. Alors, soit vous vous remettez au travail pour bien le faire, ou bien vous sortez d'ici.
Merci. Ah, tu n'as pas idée. J'aimerais tant prendre des congés et voyager quelque part loin d'ici. Je croyais que les choses s'étaient arrangées avec ce... ce bel assistant. Je peux prendre votre main? Merci. Ok. Oui, et donc quoi? Parle-moi un peu de lui. Ne me dis pas que tu fais aussi partie de ces filles qui sont folles de ce gars, hein? Bien sûr. Il n'est pas mal. Il est vraiment mignon. Et arrogant. Ajoute ça à la liste. En fait, ce gars sait qu'il est beau. Et rien que pour ça, il fait la grosse tête. Tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? Il ne me dit rien qui vaille. J'aurais souhaité qu'on m'envoie un assistant beaucoup plus efficace. Mais je croyais qu'il t'avait été hautement recommandé. Ma puce, ne crois pas à ce qui se dit. Écoute ce gars, il a été surestimé. Oui, mais il est trop mignon ce mec. Ah, avec un corps. Quoi? Il est vraiment trop craquant. En résumé, nous allons tous jeter un coup d'œil au retour sur investissement. Si environ 10%, seulement 10%, 10%. Donc, si 10% de notre population cible répond positivement à notre nouvelle campagne, à un coût de, disons, 100 naira par SMS, nous aurons un bénéfice potentiel d'environ 800 millions de naira. Ce qui pourrait être traduit comme bénéfice actuel pour 400 millions de naira. Brillant. Merci, monsieur. Absolument brillant. Merci, monsieur. Je pense que c'est de ce genre d'audace que nous avons besoin. Ce qui donnera une très bonne image aux clients dans nos projets. Pourrions-nous avoir quelque chose pour qu'il soit plus impactant? Bien sûr, monsieur. Je le ferai, si c'est ce que vous voulez. Ok. Très bien. On retourne au travail. Merci, monsieur. Bonne Merci, journée à monsieur. Tous. Merci, monsieur. Et au monsieur. Travail. Bonne journée. C'était bien. Félicitations, Barry. Très bonne présentation. Merci. C'était une belle présentation. Merci, patronne. C'était vraiment bien. Si vous n'étiez pas très occupé, nous serions allés boire un verre. En ce moment, je suis très occupé. Les paramètres, c'est ça. Très intelligent. Ok, les gars, nous avons entendu le patron. Nous avons besoin de quelque chose qui rapporte de l'argent. Il faut poser la nourriture sur la table. Faisons donc fonctionner nos neurones. Et pourquoi pas la crête solaire? Non, merci. Ça ne transporte pas du tout, tu vois, donc... Moi, je pensais à quelque chose comme Star Sun Crest. Star Sun Crest. Non, je ne sais pas. Pouvons-nous essayer avec Magnifique Soleil? Ah oui? Beau Soleil, alors? Que penses-tu de Vrai Soleil? L'idée est là, mais... Bon rayon des soleils. Quoi? J'ai dit bon rayon des soleils. Les gars, essayez un peu d'innover. Et si, Écoutez, si on disait le bon, le meilleur rayon de soleil? C'est bien, mais on peut mieux faire. Et si on essayait... Suncrest, votre rayon de soleil personnel. Oh, oui, c'est intéressant, ça. Oui, c'est pas mal. Ça sonne bien. Oui, très bien. Qu'est-ce que vous dites? Que ça sonnait bien. J'apprécierais que vous arrêtiez de parler. C'est bien, j'aime bien, ça sonne bien, mais nous n'en sommes pas là pour le moment. Et j'ai besoin que vous fassiez sortir quelque chose dans 30 minutes. Vous êtes payé pour utiliser votre cerveau. Utilisez-le et arrêtez de répéter après les autres. Bon rayon de soleil, meilleur rayon de soleil. Ah.
Allô, docteur? Oh! Vous êtes sérieux? Mais bien sûr, je serai là demain à 8 heures. Je serai là. Oui, bien sûr, oui. Merci, docteur. Merci. Désolé, mais il faut que je sois clair sur une chose. C'est une phase expérimentale, mais j'ai dû plaider pour votre cas. C'est pourquoi ils m'ont autorisé à la voir. Merci beaucoup, docteur. Je vous suis reconnaissante. Merci. Je pense que nous devons faire en sorte que ça marche avant de parler des remerciements. Oh, docteur, ça marchera, j'en suis sûre. Ok. Oui. Gardez donc votre optimisme, ça vous aidera, ok? C'est compris, docteur. Où est ce médicament? C'est pas du tout correct, cette attitude. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez me dire, Monsieur Barry? Non, c'est rien. J'étais juste en train de lui rappeler une chose concernant une idée qu'elle a partagée avec nous, mais il est certain qu'elle a oublié de vous en parler. Et alors, c'était quoi cette chose? C'est quelque chose concernant... le rayon de soleil, Suncrest. Et je pense à quelque chose comme... Suncrest. Votre rayon de soleil personnel. Hein? Oui, votre rayon de soleil personnel. Votre rayon de soleil personnel. Suncrest. Dites-moi, pourquoi vous m'avez perdu tout ce temps? Alors que vous aviez ce Joker. Je pense qu'elle a tellement d'idées qui lui viennent toutes à la fois qu'elle a oublié. Je vous ordonne à partir d'aujourd'hui de me soumettre tout ce qui vous passera par les neurones. Okay, on se reverra demain. D'accord, monsieur. Compris, monsieur. Merci, monsieur. Bonne journée, monsieur. Et bonne journée. La réunion était vraiment bonne. Oh oui, je le pense aussi. Très intéressant. Vraiment. Excusez. Je pense que c'est là où je dois vous remercier de m'avoir sauvé. Pas de quoi. Au moins, je suis heureux d'avoir pu obtenir ce tête-à-tête avec vous. Ok. Vous savez, je fais partie de ces personnes qui n'aiment pas du tout se sentir redevables. Alors, tout ce que je peux faire, eh bien, c'est vous faire sortir déjeuner. Ça sera un moyen pour moi de payer ce que je vous dois. Oh, ce serait génial, mais... Je ne peux pas sortir déjeuner avec vous. Les paramètres, n'oubliez pas. Thank you.
Oui, entrez. Toc, toc. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est à toi de me le dire. Qu'est-ce que je dois te dire? Tu t'es beaucoup rapproché de Barry dernièrement. Il a des choses que tu me caches. Mais attends, tu es en train de me dire que j'ai rejoint le fan club de Barry ou Digbo, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout, je suis obligée de le faire. En plus, il n'y a pas de mal à le faire, tu vois. Ok. Bien. Mais n'oublie pas que Barry n'est pas aussi sain que tu le penses. Pourquoi tu dis ça? Les rumeurs disent que c'était un grand tombeur là où il travaillait. Et il s'y est fait une grande quantité de rivaux. Je vois. Le joli cœur a une histoire. C'est intéressant, ça. Les rumeurs aussi disent que son attitude embarrassait tous ses supérieurs. Ce qui lui a valu son licenciement. Bien. J'espère seulement que les autres me croiront quand je leur dirai ce que je sais. Mais bien sûr qu'elles te croiront. Sauf que là, elles feront quand même ce qu'elles ont en tête. Tu comprends ça? C'est juste cela. Mais tu sais une chose. Quand une fille a en tête de faire ou de vouloir une chose, eh bien, elle l'obtient toujours. Entrez. Entrez! Le patron vous demande en salle de réunion, madame. Maintenant? Oui, madame. Vous et mademoiselle Kemi. Ok. En salle de réunion? Pourquoi en salle de réunion et pas à son bureau? Aucune idée. Bon, allons voir.